Ok. W. Yeah. Quand j'essaie de me coucher tôt, y'a rien à faire, je me relève. Une heure après, j'en fais un petit, sors le cahier, une page nouvelle, je mets du son. Je sais que ça sert à rien que j'essaie, car c'est plus fort que moi, la nuit mon péché. Heureusement que j'ai pas d'enfant, putain, je les verrai jamais. Qu'est-ce que tu dis, petit? Maman veut divorcer. Merde alors, va te coucher, je partais déambuler sur les ombrages des toitures du quartier. À 7h, on entend ronfler. Je savais que je couvais, un texte et pas un rêve, accuvé, mon verre est coulé. Le chat me suit de pièce en pièce, pourtant je vérifie, non, tu n'as pas de laisse, laisse-moi tranquille. Je repars dans mon délire, les voitures ne m'empêchent pas de réfléchir, je t'assure. Mais toi, oui, va au lit avant que ta mère te trouve ici. Sois gentil, on se verra quand on ira pas au ski, au secours. Bienvenue à l'usine, l'intimité dans cette maison c'est pire que les vestiaires de la piscine. Je disais donc que la lune et son décor noir doit faire effet depuis le temps que je l'accompagne. Car quand je dors en retard sur la journée des autres, et après tu te manges des reproches au milieu d'un tourbillon de paroles. Le vent qui siffle à mes oreilles ne m'inspire rien de bon. Un air de note fausse ou dissonante, est-ce un tel effort d'être accordé comme un violon? Hey, on nous dit votons, mais toi sens-tu l'évolution? On est tous fautifs, mais bon, la fuite est notre passion. J'aimerais faire face à d'autres problèmes que toi, chérie, qui à 2h me dit: mais t'as vu quelle heure il est? Oui. Enfin non, bloqué, la pendule de la cuisine me donne peu d'inspiration. Je sais même pas pourquoi t'es là, la nuit m'appelle, je suis présent, j'ai un bon texte et jusque là je suis assez content, merci. Ok, bonne soirée, je veux dire bonne nuit. Pardon, quoi? Demain matin, on a rendez-vous chez le notaire. C'est pour ta mère, mais je crois que ma présence est pas nécessaire. Ok, ok, j'arrive bientôt. Quand je vois la nuit, j'ai même pas envie de penser à une journée entière en sortie avec la classe du petit. Entre le bus et les cris, je ferai l'école buissonnière. Mais que faire si je trouve pas un seul buisson? Je vais pas tenter, ça pue la merde. Une fois ma femme réendormie, je me replonge enfin dans ma nuit. J'appuie sur le bouton inspiration, widow, la création au bout du stylo. Sitôt, dit que l'encre se chiffre en kilo. Sinon, j'ai des sujets pour les MC, faut j'ai des l'idée sans le projet, sans prétention, sans t'enlever le pot à l'encu te fait continuer le son contaminant le réseau de vidéos, lyrics à la con. Quand je pense que dans 2h, la maison va s'activer, j'ai jamais vu le facteur depuis qu'on a emménagé. Faut que je trouve le moyen d'avoir sommeil dans 1 heure, un petit joint, une page ou deux, et je m'éclipse comme un tueur. À gage, à gauche, en cage, ce putain de rongeur, gros, qui tourne en rond, on dirait moi, mais sans stylo. Dans 6 mois, il aura crevé, et après ça, putain, ici, y'a ni iso, ni prison sous mon toit. Dis-toi, c'est le genre de cadeau que je te renvoie. Le chien m'a pendu, je fais style, je suis pas là, ça marche pas. Putain, oui, bon toutou qui s'étire, non, 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 on se calme, on sort pas. Quoique, je ferais bien un tour à la boulangerie. T'es chaud? Oui, il est chaud, et oui. Mais là, franchement, j'ai grave la flemme. En fait, je vais aller au lit, j'ai fini ma nuit. Sois pas deg, y'a les enfants qui vont te faire ta fête dans pas longtemps. Mais j'entends des cris, ma femme aussi, qui parle de l'heure. La porte s'ouvre, tout le monde m'ordonne d'aller me coucher d'un air menaçant, et puis d'un bon... Putain de réveil, putain de cauchemar, comme si j'attendais la nuit pour écrire pas de famille à l'horizon, évidemment. Bonjour le chat seulement, un café, la journée commence. Yeah. C'est quoi cet instru pourri dans la tête là? Widow.